Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui est une vidéo mise à jour. Donc c'est la mise à jour du mercredi 31 janvier 2024. Et dans cette mise à jour, on a des nouvelles courses au Bois et Creux avec le mec qui s'appelle Rayanche. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais bref. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a, on va voir à peu près. J'ai remarqué un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est les déchets qui volent. Parce que du coup ils ont refait le Bois et Creux, mais il y a quand même plus de 2 mois. Donc ils ont rabaissé un peu la zone, sauf que bah les déchets sont restés là où il y avait un truc avant. Parce qu'ici il y avait une maison qui était plus en hauteur, normalement. Sauf que bah le truc est resté en haut. Bref, voilà, ça m'a fait rire. Sinon, j'ai fini tout à l'heure, oui, La Voix de la Terre, voilà, j'ai tout, normalement. Donc on peut aller voir les vêtements, les maquillages, tout ça. Les chevaux sont achetables, en promotion à 450, alors personnellement je les aime pas trop, donc si je les ai pas achetés quand ils sont sortis, c'est qu'il y a une raison du coup. Voilà. Ici, on a toute une tenue. Un peu verte, marron. Un camore. Ok. Une selle ibérique. D'accord. Des bottes. Des gants verts. J'aime bien les gants verts comme ça. Peut-être que je les prendrai. Un pantalon, ah c'est un pantacourt, ah j'aime pas les trucs, enfin c'est un cargo mais genre court, j'aime pas trop. Une espèce de, ouais un haut druide, bon ça c'est pas très beau. Un casque, j'aime de moins en moins les casques en fait, j'en porte vraiment plus beaucoup. Et c'est tout. D'accord. Ici... On a des sacoches, c'est évidemment pas le bon côté. On a des boucles d'oreilles, on va rien voir du tout. Hein. Bague d'oreilles. Ah ça, ça m'a l'air joli par contre. Ouais, en gros, c'est un peu comme des piercings. Voilà. Par contre, les maquillages du tout, je sais pas où c'est. Alors c'est peut-être ici avec tout en fait. Alors, maquilleuse, waouh, il y a plein de choses. Après, c'était peut-être les trucs qu'on avait déjà de base. Il me reste plus du tout de lumière. Bon, c'est pas grave, ça se remplit facilement. Non, en fait, c'est ce qu'on avait déjà. Ça, c'est bien, j'aime bien. Ça, c'est ce qu'on avait déjà de base. Coiffeuse, on en a. Et on a des dreads. Ouais, ok. Bah en fait je sais pas parce qu'on a débloqué des maquillages et je sais pas où ils sont. Alors soit c'est eux, mais ça me paraît vraiment bizarre. Soit j'en sais rien. On a débloqué un compagnon aussi. On l'achète où le compagnon? Voilà, ça a l'air pété leur truc. Des verrouilles, deux créatures magiques, Bibi du boulot et Cici du cerisier. Aïe, mais ils sont où? Parce que là on a les lapins. Oh, on peut les acheter pour vraiment pas beaucoup. Enfin, pour de la lumière. Oh, c'est cool! Oh, c'est vachement chouette ça! Ici on a les, bon, les renards qu'on avait avec les méras et l'anté. Ok, on peut les acheter pour de la lumière. Oh, c'est vachement cool. Je savais pas, j'ai pas fait gaffe en fait. Sûrement sorti depuis un petit moment, mais j'avais pas trop fait gaffe. Ah, ils sont là. Et eux, c'est quoi? Ah, c'est des araignées. Ok. Si, si, du cerisier. D'accord. Et... Bibi du boulot. D'accord, bon.
Peut-être le lapin, je le prendrais, ou je les prendrais tous peut-être un moment, vu qu'ils coûtent pas très cher en lumière, voilà. Bon bref, ça fait quand même 6 minutes que j'ai commencé et qu'on n'a toujours pas parlé au mec. C'est bien lui qu'il faut parler, je crois. Ouais. Ok. Prodigieuse Luciole. Salut Kara, dis-moi, au cours de tes chasses aux Lucioles, as-tu déjà été témoin de ce phénomène magique qu'on appelle la valse des Lucioles? Je sais pas. Non, pourtant, c'est un spectacle à ne pas manquer. Parfois, les lucioles du bois de Grue se rassemblent pour former une grande nuée et commencent à valser, comme si elles dansaient. Mon petit cœur fantasque se remplit de joie chaque fois que je vois ça. Deux de mes apprentis, Ada et Zuri, viennent de partir en mission pour assister à ce phénomène de leurs propres yeux. Si tu pars tout de suite, je pense que tu arriveras à les rattraper. Elles ne devraient pas être loin devant. Hello, tu mission. L'ami des lucioles. Salut Kera, tu connais mon ami McKenna. Non, du coup. Alors, on va peut-être aller voir du coup McKenna en premier. C'est la meuf qui est là paumée depuis le début? C'est elle? Putain, mais ça fait vraiment une semaine qu'elle est là. Et je comprenais pas à quoi elle servait. Je croyais que c'était une joueuse à la base, et en fait, non. Pas du tout. Juste, elle est posée en plein milieu. Comme ça. D'accord. J'adore. Salut, tu veux chercher les lucioles avec nous? Et Zuri? Zuri? Quoi? Tu t'appelles Kera et c'est Réanche qui t'envoie, c'est ça? Génial. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Je voulais te présenter Zuri, mais mon étourdie de sœur semble s'être échappée ailleurs. À la base, on était en train de chercher des lucioles en train de valser, mais j'imagine que je vais devoir partir à sa recherche maintenant. Ah non, du coup, elle, ça doit être Ada. Je sais pas. Oh, j'ai une idée. Et si tu cherchais les lucioles pendant que j'essaie de retrouver Zuri? La valse des lucioles pourrait avoir lieu à tout moment. Ok. Il est temps pour toi de rassembler les petites danseuses. Ce serait tellement mignon si elles portaient des robes, mais je m'égare. Allez, file. Donc c'est une course qui va rester quotidiennement, du coup. De toute façon, le farm du bois écreux reste de façon permanente. Voilà. Après, je bug un peu. Moi, bon, s'il y avait un feu follet, mais du coup, je vais pouvoir l'avoir. Ouais, vraiment, ça bug. C'est un petit peu chiant quand même. J'ai peur qu'à tout moment, mon jeu crash, parce que ça m'arrive plusieurs fois en ce moment, que problème de connexion, soupçon de tricherie, et ça me déconnecte du jeu. Sauf que bah, j'ai une connexion qui marche. Alors, elle est pas hyper rapide, mais elle marche plutôt bien. Donc, je comprends pas trop. Mais bon. Ça doit être leur bug, hein, comme d'habitude. Comme si c'est les choses vont continuer. Ah non? Oula! Et là, faut reprendre la course. Mais elles me suivent. Ouh là là! Ça m'a l'air un peu bizarre leur truc. J'ai vraiment des gros lags là, ça me fait vraiment peur. Et ça se finit là! D'accord. Et c'est vraiment les deux mêmes pour le coup. Ok. Te voilà, c'est génial. Oui. Tu étais rapide, Kera, et tu as porté un incroyable spectacle avec toi. Je peux enfin te présenter ma sœur jumelle, Zuri. Ah ok, elles sont jumelles, c'est pour ça qu'elles ressemblent. Le cliché, évidemment. Je ne voulais pas t'inquiéter, Ada, mais j'étais tellement impatiente pour de voir la valse des lucioles que je n'ai pas pensé à ralentir quand j'ai commencé à en suivre une. Je n'ai même pas réussi à trouver le rassemblement. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Kera a apporté le spectacle avec elle. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Merci de nous avoir permis de voir ce spectacle, Kera. Rayan, je serai salue. Ravie de savoir qu'on a vécu cette expérience ensemble. Merci pour tout, Kera. Reviens quand tu veux. Oui, y a pas de problème. Mais du coup, la quête, elle est là ou pas là? Ou elle est au milieu de nulle part? Je sais pas. Pas la quête, la course. Par contre, la cinématique, elle est longue là. Et du coup, faut qu'on aille parler à McKenna.
Je vais encore m'égarer à aller chercher 15 000 lucioles, enfin. Ouais, si c'est des. Enfin, de lumière. Même si j'en ai plus besoin, on sait jamais, je vais en récolter quand même. À tout moment, ils refont encore un truc et. Enfin, même si. Je dis j'en ai plus besoin, mais en fait, si, pour acheter des trucs. Je suis bête. Parce que du coup, j'ai rien acheté dans les boutiques où c'était possible d'acheter des trucs avec de la lumière, donc. Faut que j'arrête de m'éparpiller, hein, parce que. Faut pas y arriver. Oh merde. Ok, elle est là. Mon poney. Et elle s'appelle normalement McKenna. Oui, c'est ça. Ok. Serait-ce notre amatrice de lucioles que j'aperçois avec mon petit œil? Je parie que c'est Réange qui t'envoie, ravi de te rencontrer, Kaira. Les lucioles ne sont pas encore rentrées pour faire leur sieste. Elles ont l'habitude de se réunir dans une clairière à proximité lorsqu'elles se perdent. J'aimerais que tu les ramènes ici, auprès de cet arbre. Ça te dit? Oui. Ça va être le même principe ou pas? Je sais pas du tout. Ah ok, stop le temps pour aller à l'autre checkpoint. Ça c'est pas mal, parce que je me suis dit en 25 secondes ça va être chaud quand même. Ah, j'ai cru que c'était la fin. Pas du tout. Oh là là. Maintenant on arrive bientôt, je pense que. Alors, là, on rentre au truc. Ok. Bien joué. Ne sont-elles pas magnifiques ces lucioles? Je les trouve encore plus extraordinaires lorsqu'elles se rassemblent de la sorte. Ok. Et ben voilà. On va se poser là du coup. Je vous reprends un petit peu plus tard, juste pour vous dire que je viens d'avoir une autre déclinaison de la course. Je suis pas du tout passée par le même endroit que quand j'ai fait la course pour la première fois. Donc je trouve ça vraiment super étonnant. Alors je sais pas si on pourra avoir différents choix par jour. Enfin, tous les jours on aura un truc différent ou pas. Donc voilà. Je sais pas comment je vais rajouter ça dans la vidéo, mais bon. Parce que du coup, je viens juste de la refaire pour avoir une photo, celle-là. Je sais pas si je vais refaire l'autre. Je suis pas sûre. Mais bon. Voilà. C'était tout. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, du coup, les courses sont plutôt cool. Ça apporte un nouveau truc, en fait, de s'arrêter en plein milieu d'une course pour récupérer des lucioles. Enfin, voilà. C'est cool. Et du coup, on a deux courses avec le même fonctionnement. Bon. C'est toujours ça de prix, en fait. On va pas chipoter. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, voire à vous abonner pour pas rater de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!